Bah, moi, je dirais que ça raconte une petite fille qui, en fait, elle est chez elle et elle est en train d'ouvrir les rideaux. Elle ouvre les rideaux pour qu'on ait une vue sur le dehors et elle a des invités, du coup, bah voilà. Vous, Morissette, si vous devez trouver un titre pour cette peinture, vous choisirez lequel? Moi, par exemple, je choisirais le dîner en famille. Mais c'est l'ensemble que je vois qui est tellement serein. On voit qu'elle est une petite fille calme, qui a une complicité avec sa poupée. Ça, c'est beau, c'est très joli. C'est bon que c'est un vrai service à café, parce que je dirais, elle dit oui à la dinette, mais ça, c'est un peu grand pour ça. J'aime bien aller à la mer pour collectionner des coquillages. Enfin, j'aime beaucoup nager, et du coup, bah, je trouve ça chouette. Et vous, par exemple, vous allez où quand vous avez mon âge? J'allais à la mer, pas tous les ans, mais on allait à la mer. Et puis alors j'étais au mouvement de jeunesse, et là c'était en Ardennes. Là j'étais au guide, hein. J'étais 400 coups, moi, j'ai fait ça. Et maintenant je n'abandonne pas la mer, et je reviens en Gaume aussi. Et c'est quoi votre plat préféré? Un bon steak frites, pourquoi pas, c'est tout simple. Ben moi, quand je suis allée en Bretagne, j'ai beaucoup mangé de crêpes, du coup. Ben, je sais faire des bonnes crêpes, hein. Eh bien, je vais en faire pour quand on se rencontre, t'auras des crêpes. Ah, tu vas voir, elles sont bonnes, hein. Enfin, on me l'a toujours dit, hein. Qu'est-ce que vous pourrez imaginer, par exemple, derrière, dans le jardin? Il y a l'herbe comme un terrain, avec du gazon qui descend. Et puis, tu vois un peu d'eau derrière. Et ça m'a semblé un bateau. C'est romantique, je vous dis, c'est un truc apaisant. Ben moi, par exemple, je suis curieuse et je suis aussi un peu rêveuse. Et vous, par exemple, vous êtes quoi? Autant que je suis bavarde, mais non, m'entendez pas. Sauf à la maison. Si, on m'a toujours dit que j'étais vaccinée avec une aiguille de phonographe. Et je me suis toujours jurée que j'allais devoir trouver un phonographe dans les antiquaires. On m'a toujours dit ça à la maison, mais à l'école, tu m'entendais pas. Non. J'étais une bûcheuse, mais elle avait difficile à retenir. Enfin, j'aime bien, depuis toute petite, j'invente beaucoup d'histoires dans des carnets. J'aime bien écrire aussi. Est-ce que vous en avez à l'époque, à mon âge, vous écrivez ou vous dessinez par exemple? Peut-être que vous aimez peindre. Il y a un beau dessin là-bas que je trouve beau parce que je l'aime bien. J'avais 13 ans et c'est une tête de Gilles de Binche. C'est un Gilles à la craie. C'est fait à la craie et à la gouache. Étant jeune, j'ai écrit. J'ai fait des petits poèmes, un peu comme ça. Bah moi, j'adore la danse et le dessin. Et vous, bah, vous aimez quoi quand vous étiez plus petite? Et maintenant, qu'est-ce que vous aimez? Ça a changé ou pas? J'ai aimé les poupées. Alors là, oui. Même les poupées, j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et dessiner. J'ai toujours aimé dessiner, oui. Voilà ce qui m'a suivi tout le temps. Mais je voulais être infirmière à l'âge de 9 ans. On m'a dit à 18 ans que c'était pas pour moi, ma santé ne me le permettait pas, etc. Mais moi, je voulais l'être. Et on a mal calculé ça avec mon caractère. Ça, on n'a pas calculé, le docteur. Hein. Pas du tout. Non, ça va pas. Puis sauf sa femme, son épouse, qui était infirmière, elle dit, mais tu te rends compte, dans les mains, on est dans la saleté, tu dois vider les choses percées. Et elle m'en a dit plein de baratins. Maman a fait ni chaud ni froid, j'ai rien dit. J'ai fait mes études d'infirmière. Et moi, j'ai été heureuse pendant 43 ans en clinique. La dernière année de mon travail, j'ai demandé à la clinique de pouvoir m'absenter régulièrement pour faire une spécialisation en palliatif. On m'a dit que j'avais une drôle d'idée, parce que ça fait peur aux gens. Mais c'est drôle. Enfin, pardon, c'est drôle. Il faut être à l'aise avec son départ. Ça, c'est sûr. Tu dois être à l'aise avec le tien pour pouvoir être à l'aise près de la personne qui s'en va. Parce que ça peut être demain, ça peut être dans 15 jours. Tu dois être à l'aise avec ces gens. Pour leur apporter un peu de sourire, un petit café, un petit peu d'eau. Mais il faut aimer les gens pour ce métier. La valeur, c'est le contact humain. C'est cette petite fille avec sa poupée. Ça, c'est un contact humain.